Salut tout le monde, Druxlane avec vous pour la présentation et le début de la grande aventure Remember Me, jeu disponible depuis le 4 juin 2013, aujourd'hui, sur Steam, Xbox 360 et PS3. Jeu développé par... distribué par Capcom, développé par je sais pas. Je sais que dans les crédits, il y a l'air d'avoir pas mal de français. Ça se passe d'ailleurs à Neo Paris en 2084 comme vous pouvez le voir dans sur l'écran actuellement. L'histoire de quoi? Une fille chasseuse de mémoire, parce que dans ce jeu-là, la mémoire a une place importante pour du trafic, qui se fait zapper la cervelle, donc zapper la mémoire. Pour, en fait, je le sais pas, ça va sûrement découvrir dans l'histoire. Jeu à la Tomb Raider un petit peu, mélangé avec, Tomb Raider pas mal, parce qu'on grimpe partout. Donc on va voir, c'est à peu près ça. Donc c'est parti pour l'aventure. Go. Et je joue sur PC. Un agent héroïste. Ou avec la liaison un agent terroriste. Oh, pas mal le jeu de mots. Bye. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez. Non. Cette première nuit où il m'a dit « Partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Ouais, l'expression est pas pire, je trouve, sur les personnages, l'expression des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon sensen, mon mari est encore bien vivant. Mm-hmm. Là. Et là. Le sensen. Il y aurait une grosse publicité. Sensen. C'est ça, c'est une publicité. Pam poum pam poum. Donc ça c'est basé tout sur la mémoire. Épisode 0. Oh, prologue. Pidududu. On va essayer de faire le jeu super rapide parce que je pense qu'il est pas très long. Il a pas eu une super note non plus. Donc, ça dépend des magazines. Désintégration. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Mylène. En quelle année? Répétez ça. Mylène. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération.
Quelle violence. Alors ça, c'est l'héroïne. On vient de se faire le cerveau. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. D'accord. Ouais, dans le milieu des détails, il y a plein de taches de rousseur sur les mollets. Détails super, pas importants, mais quand même, c'est cool d'y avoir pensé. Levez la tête, s'il vous plaît. Et là, il nous explique. Yeah! C'est merci. Comme ça que ça marche. Maintenant, lavez-vous. Je joue avec une manette. Vaut mieux pour ce genre de jeu qu'avec le clavier. Et on avance. Où suis-je ? Bonjour. Caméra assez proche. Mouvement de tête fluide. Avancez. Je me souviens de rien. Centrer la caméra avec le clic du joystick droit. Jérôme Banal, je vous dis, il y a pas mal de français ou de francophones qui ont travaillé sur ce jeu-là, je pense. De toute façon, pour faire un Néo Paris, Nicolas Simon. Rien ne va. Il essaie de me parler, j'ai l'impression. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Tac. Oh, désintégration. Tabarnoche. Piou. Bye. Stéphane Beauverger et Alain Damasio. C'est beau. Avancez, chacun son tour. Désintégration. Nilin. Nilin. Tu m'entends? Ouais. Ils vont t'effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. On est tout avec des sensen. Mais mon sensen est plus actif que le leur, j'ai l'impression. Quand on voit celui d'en face, là, il a l'air d'être pas mal pauvre. Le mien est full connecté. Oh shit. Merci de m'assister. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. D'accord. Ah oui, pousse la grande, pousse. D'ailleurs, je vous le dis, je fais rien, c'est une animation. J'ai juste bougé pour avancer vers... mais j'ai rien appuyé pour... Watch out derrière toi. Oh, un gros robot. Timothée le tourneau. Le tourneux. Ok, c'est parti. En avant. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Bien sûr, c'est le gros. C'est le gros, par exemple. Oh shit. Oh, c'est une bouche. Excellent. Ah, mais cours, la grosse. Quelle violence. Bon, là, je dirige, par exemple. Je vais juste aller à droite ou à gauche et appuyer vers l'avant. Pour vous le dire. Là. Le passage sur ta droite, prends-le. Et là, j'ai plus le contrôle. Failli m'avoir, hein, le petit Chris. Relève-toi. Tu dois continuer.
Tu dois continuer. C'est genre le canot, man. Oh, d'un seul coup, je cours beaucoup plus vite. Ah ouais, avance. C'est pas mal futuriste. Pas pire, j'aime ça, l'univers ou l'ambiance. Je sais pas si ça vient adapté d'un livre ou quoi que ce soit, là, ou d'une bande dessinée. Why not? Ah ouais, t'es capable. Saute. Comme dans un petit film de science-fiction. J'aime ça. Jean-Maxime Maurice. Pas mal de francophones. Oh. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre Soulage. Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, frangine. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Le meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! La fille remixe. Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Donc ça, c'était une animation. C'est pas une game, genre, c'est conçu pour l'occasion. Épisode numéro 1. Mauvaise vie. Mauvaise techno. Salaud trop vite. Pas le temps de la lire. Slum 404, Néo Paris. Sporty, man. Sporty. Oh, okay. C'est qui ce? Écoute, Johnny pleure. Elles sont laides et déformées. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Ils ont une connexion assez fucked up dans leur cou là. Ils sont pas beaux. Pourquoi pas? Ami? Oh. Je suis pas de la tribu.
C'est ça? Oh, on va se battre. Explique-nous ça. Utilisez LL1 pour effectuer une esquive. Esquive. Je ne veux pas me battre. Devant un point d'exclamation. Tu dois le faire, Niline. Hop, c'est et voilà, une esquive. Utilise tes pressènes. Comment ça marche? Hop, et voilà. Appuyez sur ça pour voir le menu. Combo Lab. Blablabla, vous déverrouillez des pressènes. À la fin de protection, blabla. D'accord. Au combo à gauche, vous pouvez personnaliser les pressènes déverrouillées. D'accord. Le premier emplacement de la lame ne peut pas être personnalisé. D'accord. La séquence de touche du combo est terminée. Ok, il faut mémoriser les combos. Les pressènes impuissants. D'accord, parfait. Ok, donc j'ai pas trop le choix. C'est quoi celui-là? Pressène de puissance. Pressène. Pouf! Maintenant sélectionnez l'emplacement, ici. Ensuite, ici. Parfait. Maintenant, celui-ci. Plus impressionné de placer. Oh yeah! Terminé, vous avez construit un combo de 3. Conseil de la mine de bon. Je vais dire. Peut pas. Parfait. Wow! On se calme. Donc on y va. Oh! 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 La fiche animée du combo située en bas de l'écran indique les coups effectués et vous permet de garder un œil sur la progression de votre combo. Parfait. Hop là. Oh yeah, tu es encore un debout? T'es mort. Donc je les aspire, quand ils meurent, ils désintègrent. Bah ils désintègrent... Mouais. C'est ils sont Letman. Des Leapers. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables. Là, là le combo, c'est la même touche. Hein. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. C'est ça. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Erroriste. Qui est là? Oh. T'es qui toi, Asti? Attends par ici, mon Asti. Oh. Ah, je peux tuer. Les bornes satellites proposent des services musicaux gratuits. C'est mignon. Ok. Tu dois sortir d'ici et retrouver c'est Tommy. C'est pas mal plein de détails. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Ok, la grimpette, on n'a pas trop le choix. Hein. Oh, elle fait des tout petits sauts. Waouh, c'est impressionnant. Donc, finalement, elle fait des mini-mini sauts. Quand arrive le moment de sauter. Ok, il n'y a pas trop le choix sur les affaires. Oh, la shit. I'm in the shit. Allez, c'est parti. Ok, il n'y a pas trop le choix. J'ai pas eu besoin d'appuyer vers le haut. On se croirait à Prince of Persia. Ou Tomb Raider, comme je disais tout à l'heure. Wow. Ok. Donc on grimpe ici. On grimpe ici. On grimpe ici. On grimpe ici. On y va voir ici. Tadé, tadé. Et voilà. Edge, c'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. C'est quand même pas mal détaillé comme je disais, c'est quand même au-dessus beau. Des écluses du slam 404. C'est fouillis par et exemple, oui, mais c'est beau. Tu peux pas le rater. C'est-à-dire que ça peut prêter à confusion de savoir où est-ce qu'on s'en veut. Tiens, par ici. Oh, un item, bien. Ah bah, c'est Monument Néo-Paris. Ouh! Culturel de Paris pour combattre toutes les formes d'hygiène. Oh cool, c'est pour apprendre des affaires sur l'histoire. Et nous voilà. Cool, la tour Eiffel, la tour Eiffel. Non, c'est beau, y a pas à dire, c'est beau. Y a de l'imagination, ça peut très bien être interprété dans une bande dessinée, c'est vraiment cool. Non, c'est beau. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy
et crevettes de vase sauce slow. Ok, elle descend toute seule. Finalement, on n'a pas trop le choix de où aller, ça avance. Le chemin est par là, le chemin est par là, that's it. Ouais, c'est ça. C'est beau. Je vais me faire garder un petit peu, mais... Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Un héros russe a laissé le souvenir d'une cache à votre attention. Utilisez directement l'image, localisez la zone indiquée. Parfait. Donc là, oh, ça a l'air d'être là à gauche. Avec des poubelles, puis ça a l'air avec un dalle. Où sont les c'est gens? Exactement ça. Et voilà. Il doit y avoir quelqu'un ici. Je viens de récolter 5 patchs pour ajouter un fragment de vie. Ok, parfait. Ouais, ça c'est. Je crois pas de me tromper sur le chemin. C'est sûr, ça fait des belles vues. Hop là. Tac-a-lu. Oh, de l'action. Bonjour. Bien joué. Je vais te. Vos jauges de vie ont atteint un seuil critique. Appuyez sur. Alors là, je me suis fait toucher une fois et puis j'ai atteint un seuil critique. Combo lab. Un combo de 5 coups est maintenant disponible. Parfait. De nouveaux pressants sont également disponibles. Pressants de régénération. Ok. Donc en se battant, on peut se régénérer. Intéressant. On a des points de vie insérés. Ok, donc ceux-là, c'est des points de vie. Donc moi, je vais y aller avec Y, X. Tu es bloqué celui-là. Il va aller là. Enfin, un combo plus gros. Ah, celui-là. Celui-là. Parfait, on va le mettre là. Oh yeah. Vas-y. Ah non. Ah, il me faudrait un autre X. Hey, un autre X, un autre X. Oh yeah, méga combo. Ça, à mon avis, parce que j'ai précommandé le jeu, donc j'ai eu des affaires de combo en plus. Ce que vous voyez avec les petites flèches jaunes, là, ça doit sûrement venir du fait que j'ai précommandé. Donc ça me donne quelque chose de plus. Je pense que si je ne l'avais pas précommandé, je n'aurais pas ça. Donc mon combo ne serait pas aussi long. Donc le ne devrait pas être aussi long. En tout cas, arrête de voir ça. Oh. J'ai pas assez récupéré de vie. On va recommencer. Pouf, 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 pouf. Non, on y va. Oh, on y va avec celui-là. Tac, 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 tac. Pouf. On y va. On y va. Comme un finisher. Ma vie est au max. Salut mec, on y va. Oh wow wow. Tiens. Toi. Ah ok. C'est pas évident le combat par exemple. On s'entend. Tu meurs, lui est mort. On va le finir celui-là. Est mort. Oh yeah. Parfait. On continue notre petit chemin. Par ici. De l'autre côté. Et on saute. Donc, je reviens dans 2 secondes, 3 quarts. La mère couche avec un leaper. Johnny Glentis. Il l'avait dit. Il est mort deux fois. Il est mort deux fois. Il est mort deux fois. Ma vie est déjà pire que la tienne. Mais passe quand même me voir. J'ai oublié de sauter. Hop. Et ok. Elle grimpe. C'est quand même beau, c'est bien fait. Oh. Ah,
Palier de MP atteint un nouveau précédent déverrouillable. Cool. Ne possède assez de MP pour déverrouiller un nouveau précédent. Passer à la façon vous pouvez utiliser. Oh yeah. Donc, je peux déverrouiller celui-là. Yeah. Je peux lui ajouter un combo. Non. Ok, mais... Non. Mais il fait quoi? Plus impossible de passer loin dans un combo, parce que son épée est important. Oh, ok, là je vois la différence. Donc ça, ça fait pas de différence. Mais si je le mets là, à la place de là, là, à la place de là, ça va faire une différence de dégâts. Pardon. Yes, monsieur. Parfait. Parfait, parfait. Oh, j'en ai encore un ici. Ah, mais c'est celui que j'avais tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je peux frapper plus fort, soit dit ça. Grimpe. Voilà, une boîte ici. On y va, grimpe. Ah, c'est beau, c'est bien fait. Mais lâche-moi! Ça. Manger. Hop là, grimpe. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Punir! Surveillance! Punir! Donne-moi ta face! Ta face! J'ai perdu la face! Tiens-me dans la boîte! Mauvais enfant! J'ai menti! Les mouches me mangent! Il est plus gros que les autres, celui-là. C'est des autres. Good job. De toute façon, elle sentait pas bon. Confiture dans la boîte. Attends. Ok. Barrez mon tente. Je vais te réparer. Les mouches me mangent. Saute là. Saute. Finalement. Alors les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Bouge Tommy de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Parti. Bouge de là. Bouge de là. Désolé. Clin d'œil à M6 Solar. Ah ouais, grimpe. Par ici.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai reconversion par Memorize, la réponse humaine au péril barbare. Citoyen de Néo. Ouh, une autre section de la ville. Avec des humains d'ailleurs. C'est pas des leapers. Ah. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Parfait. Parti. Il y a rien ici. Oui. On accepte n'importe qui dans ce quartier. Je vais acheter de la bouffe. Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. Oh. Ta-da. Va voir ailleurs. Okay. Je suppose que la politesse ne fait plus recette. Mais je suis occupé. Et de 3 sur 5. Oh, et voilà un autre. Et... Je ne suis pas intéressé. Jump. Et voilà, 4 sur 5. Je suis pas sûr si c'est elle. Ouais, non. Bah, hein. Oh, tout à fait. C'était quoi cette chose? C'est bon signe, ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Oh, de toute façon, il nous indique le chemin. C'est pas compliqué, les petites flèches qui nous indiquent comment ça marche. On peut se déplacer plus vite avec RB. N'importe quoi. Super le raccourci Edge. T'es Tomb Raider, come on. T'es full capable de monter tout ça. Oh. Pas très compliqué à date. Hop là. Wow, pas cool, ça. Ok. Pas de retour possible. Oh là, j'ai un choix en haut ou en bas. Tous les jours, je lave mon cerveau avec Memorize. C'était trop drôle. Ok, on va aller en bas. Et oui. Ta-da.
Oh, j'ai failli crever, j'ai l'impression. Oh, tu te calmes niveau caméra, monsieur. Hop, grimpe, et hop, et grimpe, et hop, et grimpe. Pom pom. Je suis arrivé. Yeah. C'est parti. Et enfin, le Leaking Brain. Le Leaking Brain. C'est très joli. Très très joli. Une boîte quelque part. Ferme-la, Bob. Ils comprennent vraiment. Un peu criard, chef de nuit. C'est ce que tu fais. Vraiment. On finit de me juger. Oh oh oh. Putain. J'ai un peu de vue supplémentaire. Oh yeah, man. C'est toi ou c'est moi qui te bouffe le cœur, jeune Kim Memorial. Johnny veut mon cœur pour Noël. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors ? Eh, déjà réussi ! Dans mes bras, ma belle. Néline, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point ? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange ? Désolé. Ouais. C'était laid, toi aussi. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre ? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Oh. Oh. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ouh. Ce modèle, c'est du 100% Néline. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que... à la Bastille... La Bastille ! Contrairement à toi, j'ai pas réussi à écouter mon séjour. Bon ! Je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Hmm. Hmm, sexy. Leaking Brain. Bob, va mater ailleurs, ou j'appelle Johnny. Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils te balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse ? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum du coffret. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle, à peine dehors et déjà au turbin. Néline ? Néline ! C'est pour toi, David ! Premier sa mémoire. Paf ! Ouh ! Femme à meubles, on peut remixer la mémoire des gens.
On dirait un peu du Assassin's Creed. Quand on est dans l'anonymous. Ok, comment ça marche? C'est pour toi, David. Transfert de mémoire. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Parfait. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Mise à jour du petit, faire en sorte que le Dr. Quaid tue David. Ah. Et d'altérer cette scène, il faudra faire en sorte que le Dr. Quaid tue David. La première étape consiste à aller trouver des failles mémorielles dans lesquelles vous pouvez interagir. Tourner un sens. Intéressant. Ouh. Ok, on va aller au début. Qu'est-ce qu'il y a? Vous approchez d'une faille mémorielle. Oh! Vous avez trouvé une formule appuyée sur le pas activé. Non. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Ça fait quelque chose? Je sais pas. Bien. Les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Donc, j'ai pas assez modifié. Parfait. Donc, on a pu voir que quand je revenais en arrière, il y avait comme un petit brouillage, comme on peut voir sur l'écran, au niveau de là où je pouvais faire une interaction. On sait pas assez. Donc, on va rembobiner. Plus. Moi, je vais aller au début. Au début. Ok, ça annule quand on va en arrière. Parfait. Et on annule. On remet comme avant. Oh, j'en ai vu une couple. Ça vibre la manette, anyway. C'est parti. On y va. On accélère. On y va. Je peux diriger le rythme. Oh! Il y en a un là. On revient en arrière. Non, trop loin. En avant. Oui. Permuté. Parfait. On continue. Bref. Oh. On revient. Déplacer. On peut même déplacer les objets. Bref. L'inévitable effritement d'une personnalité. Oh.
On revient derrière, j'ai vu quelque chose ici. Activé. On va continuer. Trop fragmenté. J'ai mis du rouge et du bleu. Trop fort, il va pas être content. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. Et favoriser ça. Flux mémoriel inversé. Inversion du flux mémoriel. La sensibilité à votre transfusion. Il va pas être content. Stop. C'est pas bon ça. Je suis en train de la tuer elle. J'ai raté quelque chose quoi. En fait. Hop. On déplace celui-là. Je sais pas si ça va faire de quoi là. Voilà. Bref. L'inévitable effritement d'une personnalité. Hop. On est pas sûr. Que ça tout, si tu veux. Trop fragmenté. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. Sûrement. Et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Oh, il n'aime pas beaucoup ça. Il taquicarde. Très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Oh. On détache. En fait, dès qu'il y a quoi que ce soit, on appuie sur un bouton pour le garder. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Enfant dénué, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches me mangent, les manques me mouchent. Oh. Détaché. Parfait. Raclure. Comment est-ce que... Prends mes yeux. Maudit dégénéré. Meurs. Non. Is dead. Objectif atteint. Because I rock. Je vais tuer David. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, faites dans sa mémoire. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement ! Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise ! Pour tous ! Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou il y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va trinquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Oh, j'ai mieux que des idées. Oh yeah, c'est pas tout dans le bâton. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes ? Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps.
qu'on la drague. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs. T'es le meilleur. L'homme n'est pas entièrement coupable, il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue. Parfait. Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi, avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise, pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Épisode 2. Macro-onde. Que des jeux de mots. Oh, c'est tombé joli. Ça fait tard, les bons amis. Ça fait tard. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi RC Dova. Bonne chasse. Pas de guide prévu? Désolée, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Parfait. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce? La plus célèbre architecte de Neo Paris. Elle a en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. C'est parfait. Et ça conclut notre premier épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de me faire un petit like. Laissez-moi un commentaire. Venez sur ma page Facebook si vous voulez avoir les dernières nouvelles. Communiquez avec moi plus facilement. Regardez les news. Ce que je mets aussi, c'est des fois les deals qui existent sur Steam ou sur les autres sites. Donc voilà. Si ça vous a plu, dites-le moi si vous en voulez plus. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.